Et bon matin mes petits Pikachu, ici Demis Adic pour cet épisode de numéro 4, je crois, de Super Mario 64. Oh mon dieu, j'allais dire de Resident Evil Revelation, oui, bien sûr, mais c'est exactement le même genre de jeu. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce que moi je suis en forme aujourd'hui pour ne pas me fail, et j'ai décidé de commencer cet épisode en force en allant vous montrer mes talents contre Bowser, voilà. Et j'espère vraiment que j'ai des talents contre Bowser, parce que sincèrement, ça laisse un petit peu à désirer. Donc comme vous pouvez voir, je suis à 16 étoiles, donc j'ai réussi l'étoile des 8 pièces rouges. Ah ! Le tableau se transforme ! J'ai réussi les 8 pièces rouges du niveau du Québec. Donc c'est fait, c'est réussi, on n'en parle plus, je ne veux plus jamais entendre parler de ce niveau pour l'instant. Bon, c'est un peu bizarre mais comme phrase, mais je vous assure, c'est dans le français. Donc les niveaux de Bowser, comme vous pouvez voir, c'est pas 3D à 100% comme les autres niveaux, ça revient plus à un Mario classique de plateforme. Et je me souviens plus pourquoi j'ai activé le truc. Ah oui, je me rappelle. Et bon, comme dans tous les niveaux, il y a également 8 pièces rouges à aller chercher ici, sauf que je vais vous avouer que c'est pas ma priorité. Ma priorité était de prendre la vie, mais j'ai raté. J'ai raté ma vie. Et bon, ben le but c'est de se rendre au bout et de battre Bowser, voilà. C'est trop passionnant comme but. Ah non mais non mais. Merci. Donc, je vais vraiment essayer de vous faire un épisode digne des plus grandes championnes de Mario Bros. Je vous assure, c'était pas voulu. Ah mais pourquoi il a. Mais vous avez vu comment il a fait l'imbécile? Il a décidé, bang, moi je fonce dans le mur, c'est bien plus marrant que de faire le niveau complet. Donc le truc que j'ai activé, normalement, fait apparaître une plateforme ici qui me permet d'aller chercher la pièce rouge, mais comme j'ai pas envie d'aller les chercher, ah ben j'y vais pas. Voilà. Voilà. Je vais voir, peut-être dans un autre épisode futur, pour revenir dans ce... Oh, mais c'est pas vrai. Pour revenir dans ce niveau afin d'aller chercher... Les 8 pièces rouges, si jamais on a besoin des étoiles. Parce qu'à ce rythme-là, je crois pas qu'on va faire le jeu à 100%. Parce que sincèrement, je crois que je vais défoncer mon écran. Parce que ça me fait rager. Et en fait, je sais pas pourquoi je vais chercher l'interrupteur alors que je sais que je l'utilise pas. Bref. J'essaie même plus d'essayer de comprendre ce que je fais. Je fais complètement n'importe quoi. Bon, allez, un peu de sérieux. Ou ça pourrait être bien aussi pour les dernières étoiles qu'on fasse un petit live. Récupérons les 8 pièces rouges et les 100 pièces jaunes partout. On pourrait y aller comme ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si on termine le jeu juste en battant Bowser et on laisse tomber le 100%. Ou on fait les pièces manquantes et genre de trucs en live. Ne me pas. Oui, je vous assure, c'est français. Ok. Ça va, on reste tranquille. Ok, ça va. C'est bon, on a une étape de fait. Bon, ça sert complètement à rien parce que si je meurs, je recommence au début. Mais c'est pas grave. On va y aller tranquillou, comme ça, voilà. On laisse monter la plateforme, on saute. Ouais, allez. Laissez-moi croire que je m'en sors bien. Ouais. Allez, les escaliers. Oh mon dieu, je vois le tuyau de la victoire. Bon, Bowser se trouve là-dedans. On va essayer de le battre. Donc il est... Le premier est assez simple à battre. On doit l'attraper par sa queue de dragon. On doit le faire tourner sur nous-mêmes. Et on doit l'envoyer sur l'une des petites boules piquantes qui font pas du bien. Voilà. Donc on va profiter qu'il crache du feu pour l'attraper. Mais si je me trompais pas de touche, ça irait beaucoup mieux ma vie. Mais arrête de bouger, c'est pas ça le but là. Ah. Ah, il va me brûler, il va me brûler. Je vais devenir un Mario brûlé. Bon, là on le tourne, on le tourne. Et là je sais pas où sont les balles. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. C'est quoi le bouton pour lâcher? Merde, attendez. 1, 2, 3, go. Salam, t'es bazar. Bon, je l'ai raté. Mais c'est pas grave, on va se reprendre. J'ai pas peur, tu me fais pas peur. Ah, raté. Ok, je l'ai. C'est bon. Ah, raté.
C'est pas grave. On va l'avoir. Il est pas dangereux pour l'instant, il nous fait pas trop mal. Il nous a pas encore touché, on va se rejeter dessus. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Ouais. Allez, là c'est notre coup de chance. 3, 4, bang. Donc pour la première fois, pour le premier boss, on a seulement à le faire une seule fois. Donc là il est mal, il va pas très très bien. Donc il va nous donner l'étoile et il va disparaître dangereusement. Ah non, c'est pas l'étoile, c'est vrai, c'est une clé. Ouais, mais attrape-la la clé. Ouais, here we go. Donc cette clé magique qui va nous permettre d'aller dans les sous-sols, découvrir de nouveaux niveaux, les amis. Save and continue. Allez, on est motivé, on va découvrir des nouveaux niveaux. Ouais. Parce que les nouveaux niveaux, c'est cool. À moins que... Non, j'ai envie qu'on est dans le sous-sol. On découvrira le niveau fantôme dans les prochains épisodes. Ouais, j'ai ouvert la porte. J'ai la clé. Donc ici, c'est là qu'on va battre le deuxième boss. Mais je sais plus à combien d'étoiles. À 30 étoiles. Donc il nous en manque encore un petit peu moins que la moitié. Donc on va aller là et on va aller voir Todd. Bonjour Todd, tu veux être mon ami? Bonjour. Merci. Je croyais qu'il nous donnait une étoile, mais en fait c'est pas lui. Je me suis trompée. Je m'en excuse. Ah, c'est vrai, il faut pas aller dans le feu. Et toi, si je t'attrape, est-ce que tu me donnes une étoile? J'ai pas envie de passer 30 minutes à lui courir après. Allez, petit lapin mongol. Allez, petit lapin fou. Petit lapin débile. Allez. Ah, il veut pas venir. Aïe. Ça, c'est un mur. Ah. Ah. Ah, t'as eu de la chance. Bon. C'est pas grave, on va s'occuper du lapin une autre fois, moins que... Non, je l'ai pas eu. Bon, donc ici, on va aller là. Parce qu'on va contraster avec le niveau de la glace, on va faire le niveau du feu. Il est beaucoup plus cool. D'accord, je sais c'est quoi, je me souviens. Ce niveau, je l'ai toujours aimé. Autant quand j'étais plus jeune, au début, il me faisait peur que maintenant, c'est un de mes niveaux favoris. Je le trouve sympa. On pourrait prendre le raccourci, attendez. Ah non, on l'a pas encore. C'est pas grave. Donc notre but est de se rendre là-bas, là, sur la plateforme tout au fond, et d'aller battre un gros méchant comme ça. Je sais plus si c'est la plateforme de droite ou celle de gauche, par contre. Bon, là, on perdra pas notre temps avec celui-là, par contre. Oula, ouhou, je me suis presque brûlé les fesses, moi. Allez, on va là. Ouhou, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Mais c'est dans la chaleur. Bon. Oups. C'est... Non, mais arrête. Oui, j'ai exactement la même réaction que toi, Mario, en ce moment. Oula, on prend ça cool, on prend ça tranquillou. Oh mon dieu, je suis à 1 mm de me faire avoir par le jus de fruits. Eh oui, bien sûr, les gens, c'est pas de la lave, c'est du jus de fruits. Oh mon dieu. Je sais pas si je peux sauter directement ou si je dois attendre la plateforme. On va essayer. Ah, mais j'aurais dû attendre la plateforme. Mais c'est pas grave. Donc, le but est simple. Pas mourir. Donc, on va essayer de pas se mettre trop près. J'ai dit, on va essayer de pas se mettre trop près. Et on va essayer de les avoir... Ah non. Ah non, parce que quand il commence à te pousser... Après, t'es foutu. T'es complètement foutu. Mais arrêtez de me pousser! Ok, on va essayer de les avoir les trois comme ça. Ils vont m'avoir. Non, je veux pas qu'ils m'aient. Ok, ils m'ont pas eu. Ah! Change de direction, Mario. Pourquoi il veut pas? Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve complètement. Il veut pas faire ce que je lui demande. Non, il va me tirer en bas. Aïe. C'est chaud. Ça brûle mes fesses. Attention. On va les essayer. Allez, et de 1. Ah oui, donne-nous la pièce. Et de 2. Il en manque plus qu'un. Un seul, et on va voir le géant. Eh, tu triches. T'es un tricheur. T'as pas le droit de gagner. C'est Mario Bros qui remporte toujours les victoires. Ouais. Et là, normalement, ça c'est le papa qui vient venger ses bébés morts. Mais nous, on n'a pas peur. Allez.
Et normalement, après l'avoir tué, on a l'étoile. Donc on sera à 17. Et voilà. Ah! Non! Il reprend du terrain. C'est pas juste. Ah! Il m'énerve! Arrête de prendre du terrain! C'est moi! C'est toi qui dois mourir, pas moi! C'est écrit dans les annales du jeu! Allez! 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 Ah merde, attendez. Ah, on va le prendre ailleurs parce que là, ça va plus. Ah, il me saoule! Autant que ça allait bien tout à l'heure que là, il me saoule. C'est bon, allez, une dernière fois! Non, une autre dernière fois! Voilà, les amis! C'est bon, on l'a eu! Ouais! Tudum, tudum, tudum. Here we go! Donc, nous sommes à 17! On y croit! On y croit, on y croit! 7, continue! Ouais, on y retourne. C'est cool. Ah, mais j'ai pas battu le bon. Bon, mais on va aller battre le bon alors. Il a eu de la chance. C'est quand qu'elle apparaît la petite caisse ici qui me permet d'avoir une tortue qui me permet de glisser sur la lave. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, une tortue qui me permet de glisser sur la lave. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien et je ne raconte point n'importe quoi. Oula la 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 la, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Ouh, ouais, c'est bon. On va aller sur la bonne plateforme cette fois-ci. Non mais pas là, ça c'est pas une plateforme, c'est de la lave. Débile. Tu comprends rien à la vie. Oh mon dieu, non mais là je me suis jetée là directement. Hein. Et là je suis morte. Adieu monde cruel, je vous ai aimé. Ah, pourtant ça allait bien dans ce niveau. Allez, on persévère. On est persévérance, je crois que vous avez dû le voir un petit peu depuis le début. Ne jamais abandonner, parce qu'abandonner, c'est pour les nuls. Voilà, c'était ma leçon de vie. Mais arrête de faire ça. Je veux que tu fasses un son longueur, là. Voilà, bravo Mario. Je suis trop fière de toi, t'es trop le plus meilleur du monde. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas, sinon je vais appeler mon avocat. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu, mais je suis morte directement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, oui, je crois que j'ai... En fait, parce que mon Mario est resté pris entre la plateforme et la lave. Donc ça a fait qu'il a... Il a bugué. Et ça fait qu'il est mort directement. Mais c'est pas juste. Moi, je voulais pas qu'il mourre, Mario. Moi, je l'aime. Limite, Wario, ça m'aurait pas dérangé. Mais Mario, je l'aime. Ah, je crois, j'étais sûre que j'étais bonne. Ok. C'est bon, on prend ça, relax. On va pas trop vite, on prend son temps. Mais merde! Oh! Notre premier game over! Habituellement, on se fail, mais on va pas jusqu'à un game over. Game over! Restart. On y retourne. J'ai pas peur, je n'abandonne pas. Le niveau de la lave aura pas le dessus sur moi, je vous assure, les amis. On va l'avoir. Wouhou! Youpi! On va y aller, on va combattre cette lave. Même si on est nul, même si on est bizarre, même si on est fou, nous aurons le dessus sur la lave. Je vous jure. Allez, on y va. N'aie pas peur, Mario. Tu peux avoir confiance en moi, c'est pas comme si que je venais de te tuer 14 millions de fois de suite en 4 épisodes. Non, non, je t'assure que non. Allez, on y va. On y va avec la motivation et du courage, parce qu'on a envie de gagner, de remporter cette bataille contre la lave. Voilà. Donc on a encore 5 chances. On va essayer de pas toutes les gaspiller, mais si je vois que ça va vraiment pas, eh bien on changera de niveau. C'est pas comme si que ça allait être la première fois. Boum, boum, boum. Bon, tout ce que... En fait, est-ce que j'ai absolument besoin de passer par là? Est-ce que je peux y aller par le volcan? Ou c'est trop loin? Non, c'est trop loin, je peux pas sauter. Ouh, à chaque fois ici j'ai chaud. Non, je peux pas y aller, c'est trop loin. On va aller là. Qui va me permettre d'aller là et on va prendre le chemin habituel. En fait, c'est eux qui m'énervent parce que ils ont des directions bizarres. On dirait qu'ils vont pas te toucher, mais finalement ils te sautent dessus quand même. Oula, 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 oula. Oula, là, ça, c'est chaud. Et là, on va aller là-dessus.
Ok, je croyais que ça s'écrasait dans la lave jusqu'à ce qu'on mourre. Mais finalement, non. Et là, lui, s'il nous spot directement, il va nous renvoyer dans le truc. Dans l'ascenseur. Ok, c'est cette touche. Faut pas que je me trompe de touche. Voilà! Premier coup! Comme une championne! Et là, ça, je crois qu'on doit y aller hyper rapidement parce que ça disparaît. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah non, 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 c'est pas juste. Oh, mais ça revient pas jamais. Comment je fais? Oh mon dieu. Je sais pas comment je fais. Attendez. Comme ça. Ouf. Ouf, 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 ouf. Ah, ça aurait été dommage de devoir recommencer. Here we go. Here we go. Bon. On va faire une dernière étoile dans ce niveau. Une étoile facile, je vous promets qu'elle sera pas longue. Et ensuite, on va passer à un niveau qui va rester dans la chaleur, mais qui sera un petit peu moins rouge. On va aller plus vers le jaune, donc on va aller dans le désert, les amis. On va aller faire une ou deux, trois étoiles dans le désert avant de se laisser. Et là, on va aller récolter les 8 pièces rouges, mais je vous assure, là, elles sont simples. Elles sont extrêmement simples. Aïe, 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 mes fesses. Ouais. Quand il n'y a pas de lave, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Je me brûle! 7, 8, victoire! Vous voyez? C'était hyper facile. Ouais! Tudum, 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 tudum. Here we go! Ouais! Tam, tam, ta, ta, tam, tam. Ta-ta-ta-tam, ta-tam. Et là, on s'en va ici, les amis. On s'en va là. Ouais. C'est quoi la première étoile? Un de talent, un de... Ah, d'accord. Je fais trop la fille qui comprend ce que ça veut dire alors qu'elle n'a aucune idée. Mais je sais c'est quoi l'étoile. On va aller la chercher directement. Wouhou! Bon, je sais, il y a des gens qui prennent tout plein de raccourcis dans ce niveau et qui sont hyper doués, mais moi je vais éviter. Ok, donc le but c'est que bah, c'est de nous écraser, mais comme vous pouvez voir, il y a un vide ici dans lequel on peut se mettre pour être en sécurité. Comme là, je crois qu'on va devoir rester là. Ah non, on a le temps de passer normalement. Ouais, c'est bon. Et là, j'ai pas envie d'attendre, donc on va aller là. Donc on doit récupérer l'étoile qui est sur l'oiseau. Où est l'oiseau? Il est là! Ah, raté. Voilà. Et là, il nous met l'étoile là. Sauf que là, maintenant qu'on lui a enlevé son étoile, l'oiseau, il va nous courir après pour essayer de nous voler notre casquette. Et si l'oiseau nous vole notre casquette, c'est la fin du monde. Mario Bros, il pleure dans un coin et jusqu'à ce qu'il meure d'une dépression terrible. Donc il faut pas se faire voler notre casquette par le grand méchant oiseau. C'est la seule règle. Ok, on doit aller en haut de la pyramide. Bah allons-y, qu'est-ce que nous attendons? Ouais, ouais, ouais! Boum! C'est sûr que je pourrais prendre ça. En fait, non, c'était pas ça que je voulais faire du tout. Oui, on pourrait se suicider, comme ça, ça va aller plus vite. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Tum, 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 tum. Bon. Est-ce que je le tente? Enfin, je le tenterai pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'aller directement du côté de la pyramide en prenant ce truc, mais moi, je me connaissant, j'y arriverai pas. Voilà, voilà. Et c'est raté! C'est complètement raté, les amis. C'est pas grave. On va prendre le chemin normal. Le chemin normal. Ça sert à rien de toute façon. À vouloir éviter le trafic, c'est là qu'on en prend le plus. Ouais, j'invente des proverbes, et alors? Oula, pourquoi la bombe, elle m'a pas touché? Je vais pas m'en plaindre, mais je comprends pas. Normalement, il aurait dû bien s'amuser à m'exploser dessus jusqu'à me tuer. Ouf, j'ai eu de la chance, là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Vite, 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 vite. Ok, c'est bon. Et là, on doit faire attention à lui, là. Ne viens pas, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas là, non, 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 non. Tu m'as pas vu. Ah, il m'a pas vu. Non, mais... Quoi? Putain de caméra à la con, débile, folle, stupide. Débile, folle, stupide. Voilà, c'est les trois seules insultes que je connaisse. Donc si vous avez des insultes à dire à la caméra dans les commentaires, allez-y, défoulez-vous, c'est le moment.
Bien sûr, précisez que vous parlez à la caméra parce que sinon je vais croire que vous parlez de moi et je vais être triste et je vais pleurer. Et si je pleure, il y aura plus de vidéos joyeuses. Il y aura seulement des vidéos tristes, donc on va faire des jeux tristes. Je connais pas vraiment de jeux tristes vite comme ça. C'est pas grave, on ne dira pas trop fort. Ah, il va m'écraser. Non, il m'écrasera pas. Tu ne m'écraseras pas, vilain méchant, pas beau, pas fin, pas joli. Boum, boum, boum. Ouais, wouhou. Ah, vu que je viens de faire un saut en longueur, ça me fait penser. La dernière fois, j'ai réussi à avoir les 8 pièces rouges en faisant tout de même le saut en longueur. Je sais pas pourquoi quand je le faisais en vidéo ça voulait pas fonctionner, mais quand que je l'ai refait par moi-même par la suite, eh bien ça a fonctionné. Allez la pyramide. Ça la lâche-moi. Donc ça a fonctionné, donc j'ai même pas essayé de chercher à comprendre parce que... Bah à force je comprends pas. Donc l'important c'est que j'ai réussi et j'ai réussi la première fois que j'ai tenté hors caméra. Donc ça aussi ça m'a un peu saoulé parce que j'ai passé je sais pas combien de temps en vidéo et dès que j'ai arrêté l'enregistrement, boum, ça fonctionne. Aïe! Toi, t'es méchant! Je vais te tuer, espèce de masque-cache! En fait, c'est lui qui va me tuer. Habituellement, je vais pas la chercher comme ça, cette étoile à la con. Parce que je meurs. Habituellement, j'essaie d'y aller avec la tornade là, qui nous a pris tout à l'heure, mais là, ça a pas fonctionné. Allez, allez, allez! Il nous envoie pas assez fort! Je veux pas aller dans la pyramide, mais est-ce que je suis en mesure de faire un genre de truc comme ça, là? Non, pas du tout. Ouais! Et si je m'approche? Comme ça. Viens vers moi, petite tornade. Viens me chercher, viens me chercher. Ouais. Envoie-moi plus haut. Toujours plus haut. Non, non, ça fonctionne pas. Mais je veux pas faire le tour. Ah, attendez, on va tenter un truc. Pam, 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 pam. Ouais. C'est pas au top. Attendez. Ah non, mais s'il y avait pas lui là qui me sautait dessus, j'étais bonne. J'étais bonne. Ah. Ah. Ça m'énerve. Mamma mia. On va retenter. On va retenter direct. Pendant qu'on est chaud, pendant qu'on est dedans, pendant qu'on connaît le niveau. Est-ce qu'il y a une autre place? Oui, là. On va essayer d'aller prendre la casquette qu'il y a là. Ah, comment qu'on y va? En fait, je sais comment qu'on y va. Je vais juste le faire, j'ai la flemme. J'ai toujours eu du mal à faire ça en plus. Pourtant, c'est pas dur, mais je sais pas pourquoi. Quand c'est moi, ça marche pas. Quand c'est les autres, c'est facile. 1, 2, 3. 1, 3. Ah, et ça, je peux pas les tirer. Non, je peux seulement les détruire. 1, 2, 3. Ah! Mais je vais juste sauter en haut là, laissez-moi tranquille. Je veux dire, c'est pas la lune que je demande même pas d'étoiles. Je demande juste d'être en mesure de sauter là, là. J'ai pas assez de place. Pourquoi est-ce que tout se passe dans ce jeu pour me ridiculiser? Me faire passer pour une nullité, alors que normalement ça va. 2, 3. Ah, pourquoi il veut pas faire le triple saut? Il est nul. 1, 2, 3. Y'a pas une autre façon d'aller en haut là? Comme ça, ça marche pas? Bon, là ça marche, tantôt ça fonctionnait pas. Oh là là! J'essaie même plus de comprendre la logique de ce jeu. 2, 3, wouhou! Ouais! On vole! Bam bam! Bam bam! Bam bam! Et il fait exprès de perdre de l'altitude. Hein. Je veux que tu voles, débile. Débile, débile, débile. Bon. Je crois qu'on va... Je vais pas vous laisser comme ça, alors je vous ai promis une étoile à la fin, donc on va essayer d'attraper le vilain lapin, là. Donc on va terminer l'épisode en courant après le lapin, parce que là, cette étoile, elle est méchante. Et je veux pas deux game over dans le même épisode. Je vais t'avoir! Je sais pas si ça fonctionne quand je me jette dessus comme ça ou si je dois absolument l'attraper en étant debout. Et j'ai l'impression que Mario, il veut pas courir. Pim pim. Ah. On va essayer de l'attraper de l'autre sens. Bang.
Oh mais je l'avais. Non mais c'est pas juste, je l'avais. Tu te sauveras pas lapin, tu te sauveras pas lapin, tu te sauveras pas lapin. Lapin, 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 lapin. Lapin. Viens ici, lapin, lapin, lapin. Ah. Lapinou. Aïe, mon tête. Lapinou. Ah. Tu m'énerves, tu me saoules, tu m'énerves, t'es pas beau, t'es pas fin, t'es pas joli. Allez. Lapin, lapin, lapin. Allez, laisse-moi. Bon, gentil lapin. Voilà, donc on va terminer cet épisode à 21 étoiles. C'est pas trop mal. On est à 9 étoiles du boss. Donc au prochain épisode. Oups. Au prochain épisode, on va voir pour peut-être aller découvrir le niveau fantôme. Et peut-être qu'on va retenter l'étoile du haut de la pyramide si le jeu arrête de faire n'importe quoi. Ouais, on va sauvegarder. Donc sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser un petit pouce bleu et un bébé commentaire. Et moi, je vous dis à mardi pour la suite de notre aventure avec les étoiles célestes. Bisous, bisous!